Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc au niveau de la coupe, c'est catastrophique. Non, ça va, ça aurait pu être pire. Nous allons faire une petite partie, c'est l'épisode d'aujourd'hui, hein, littéralement. Donc là, je vais ensuite le monter, puis l'uploader. Vous me direz ce qu'il en est au niveau de la qualité vidéo. J'ai modifié certains arrangements de mon système de montage. Mais, de ce que j'ai pu en voir Bon, apparemment tous mes copains sont en train d'essayer de le prendre. Ok. J'ai pas assez de tirs. Donc j'ai remis, si je l'ai pris simplement pour voir s'il est efficace aujourd'hui ou pas. Et sinon, bah écoutez, on en refera un. Waouh, et tu te calmes. Mais je n'ai pas assez de tirs et si je les loupe tous comme celui-ci. Ouf, pas passé loin celui-là, hein, l'ami. Celui-là non plus, hein. T'es sérieux là? Oh, tu te calmes? Blah, bon, c'est une défaite. Ce robot n'est plus si efficace. Il est moins maniable. Il a été efficace un temps, chers amis, mais là, il ne l'est plus. Donc, il y aura modification de cette Eagle. Clairement, il va falloir qu'on fasse un robot qui sera plus performant. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Oh la vache, je peux même pas voler sans me faire canarder, quoi. Par contre, les proto-seekers devraient pas pouvoir viser les ennemis aériens, en termes de distance. Ça, c'est mon avis, hein, chers amis, mais... Je pense pas que ça devrait être faisable. Mais merde! Faut pas exagérer non plus! Non, non, il est plus efficace du tout. Putain, mais je me fais... Ah d'accord, c'est pas lui qui m'en envoie, d'accord, bon, ok. Non, c'est pas la peine. Non, non, là, c'est fichu. Mon robot n'est plus performant. Déjà qu'il l'était pas énormément, il était tanky pendant un temps, mais il a perdu. Il a perdu. Ok, bon. Partirions-nous sur un épisode de construction ensuite, ça pourrait être possible. Hein. Par contre, je veux bien me rendre. Personnellement, si ça intéresse des gens... Je suis pas convaincu. Non, ça intéresse personne. Bon bah écoutez, tant mieux. Tant mieux. Ce qu'on va essayer de repartir sur une base de robots volants. Putain, mais non, mais je peux pas voler. Ah là 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 là. C'est saoulant. Voilà. Oh, t'es sérieux? Merde! J'aurais dû faire ça pendant que j'y étais. Avec un peu de bol, je vais pouvoir m'enfuir assez vite. Oh la vache! Faut que j'arrive à rentrer dans le truc avant de me faire exploser.
Comme ça, je vais pouvoir profiter de la régène. Mais clairement, là, il est devenu trop trop lent. Certes tanky, mais trop trop lent. Oh là 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 là. Puis, j'ai l'impression que dès que t'es un ennemi volant, dès que t'es un volant, en fait, tu te fais défoncer par tout. Crac. Ok. En plus, tous les robots qui comptaient sur le l'overclocking pour fonctionner, en fait, ne fonctionnent plus forcément. Tous ces robots qui étaient un petit peu diesel à l'époque, vous vous rappelez, qui commençaient très très mal, mais qui à la fin faisaient bah, aussi très très mal. Boum. Voilà. Par contre, il aurait été cool qu'on fasse des dégâts sur le Protonite Core, effectivement. Hop. En espérant que je vais avoir le temps de recharger mon... Oh, il faut se dépêcher là. Non, non, faut pas exagérer non plus. Je suis hors de portée. Je suis forcément hors de portée. Ah, bah de toute façon, ils sont 3 donc c'est pas la peine. Mais il a raison sur son type de robot. Il a raison sur son type de robot de choisir un robot qui peut utiliser des. Qui a une arme. Oui, je veux bien. Personnellement, je veux bien. Ah, bah comme ça. Voilà, défaite. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on aura juste passé 8 minutes dedans. On va en refaire une. On va en faire une et le prochain épisode, je ferai de la construction. Je vais essayer de me renseigner sur comment on fait des robots solides. Au passage, ce serait pas mal. Même si j'ai quelques idées, hein. J'ai quelques idées, mais je veux un Eagle, déjà de base. C'est l'Eagle, c'est, ce sera une nécessité. Mais on va pas le prendre avec ce robot là, on va le prendre avec un autre. Bon, perdu MMR, ouais, c'est la fête. C'est pas grave. Au niveau de ce robot, à l'intérieur, j'ai... Je voudrais modifier un petit peu ce robot. Normalement, à l'intérieur... J'ai un système de bouclier que j'aimerais remodifier, que j'aimerais remplacer. Alors, je sais plus ce que j'ai véritablement comme arme. Inventaire. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Le bouclier, le module fantôme, l'énergie. Le module fantôme comme le bouclier, l'énergie pourrait être intéressant. Vous, je sais que vous aimez pas, apparemment il est devenu inutile, machin, tout ça. J'y crois pas trop, honnêtement, j'y crois pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être partir sur du classique. Renforcer devant. Ah, du coup, ça fait un petit peu de construction maintenant, chers amis. Je suis désolé si ça vous embête. Peut-être renforcer un tout petit peu devant. Passer sur un ghost. Puisque de toute façon j'en avais pas. Du coup, remettre les bons cubes. Crac. Voilà. Ok, et refermer complètement ici. Ok.
On repart avec le rhino. Juste par principe, je vais laisser le coloris qu'on avait mis. Je crois que j'avais mis que ça. Hein. Crac. Ok. Ok, on repart avec. Retour au menu principal, on va repartir avec, on va bien voir. Ça se trouve, est-ce que l'invisible va être véritablement utile? Je ne suis pas sûr. On verra, on verra. On va arrêter de faire des suppositions, chers amis, et on verra bien. Donc. Au niveau du son, j'ai peut-être légèrement augmenté le son. Ici. Crac, voilà, que vous puissiez avoir un son correct au niveau du jeu. J'ai vu que j'étais un petit peu bas au niveau des épisodes de Ghost Recon que j'ai tourné, malheureusement. J'en ai tourné un paquet, j'en ai tourné 5 au total. Mais bon, ça sera corrigé, vous inquiétez pas. Ok. J'aurais peut-être dû... Ah oui, c'est vrai, faut que je pense à, au fait qu'il... Principalement... Crac. Voilà. Je vais aller là-bas. Je suis curieux de savoir lequel d'entre nous est en train de le capturer en fait. Plus personne. Est-ce qu'il vient? Apparemment non. Ouille. Ok. Aïe. Oh putain. Merde, si j'avais su. Ok. Voilà qui en fait un. En train de nous piquer notre endroit ici. Hein. Oh la vache, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça, je ne savais pas. Je sais pas comment il a fait. Et bah laisse-moi le temps, hein. Je plane plus correctement, déjà. Ok. Alors question, grande question. Est-ce qu'on capture encore si jamais on... Mais c'est bon, hein, je l'ai le point. Il aurait mieux fallu aller chercher et sauvegarder le point là-bas. Ah! Non, il n'est pas intéressé. Hop. Crac. Bon. Ça se passe pas si mal. Sur le point. You can raid it to steal energy. Ah. Déjà, abandon. C'est peut-être le seul véritable problème de cette mise à jour, c'est que tout le monde finit par abandonner. Victory! J'avais oublié celui-là, je l'avais jamais entendu même, j'ai l'impression. Ok, pourquoi pas? Bah du coup, ça fait un épisode qui va être très très court. Hein. On est à 15 minutes. C'est chiant. Oui, il faut que je mette le rhino en vente. Effectivement, c'est vrai qu'on me l'a demandé, et j'ai oublié. Faut que je mette le rhino en vente. Bon bah il est toujours efficace.
Reste à savoir s'il a vraiment besoin du ghost. Vous avez pu voir que le ghost module finalement n'était pas véritablement ce qui était le plus intéressant. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas mieux l'enlever ou mettre le module d'énergie? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, on m'appelle. Donc moi je vous laisse là, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!